Hello tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau try on haul de chez Shein. Donc vous en avez eu un il n'y a pas très longtemps, mais c'était un cadeau de Noël et là cette fois-ci c'est moi qui ai cracossé mon petit slipe. Donc pour cette vidéo j'ai décidé de faire un petit peu pas comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez avoir en barre d'infos une vidéo qui est non répertoriée, qui est all try on. Donc allez voir si vous voulez voir que les vêtements portés. Sachez qu'il y a aussi des bijoux que là je n'ai pas mis dans le try on que vous pouvez voir en barre d'infos. Donc je vous conseille de regarder les deux vidéos, mais si vraiment vous voulez juste voir les vêtements, les maillots de bain, etc. Et bah il y a tout en vidéo dans la barre d'infos. Donc allez voir cette petite vidéo, elle dure pas très longtemps. Et ici c'est là où je vais vous montrer les articles, dire les défauts, s'ils puent, vous dire combien de temps j'ai reçu, ce que j'en pense. Enfin le moment où je blablate, je vous montre les articles et il y a aussi le try-on en même temps. Donc là en fait vous avez les deux et dans l'autre vous avez juste le try-on. Donc vous pouvez regarder les deux ou juste en regarder une, comme vous voulez. J'espère que ce nouveau concept vous plaît, mais je trouve ça assez cool. Et puis voilà, bref, je vous retrouve à la fin de la vidéo, puis je vous laisse avec la suite. Bref, alors commençons avec un body. Donc voilà comment il est beaucoup trop beau. Donc ici vous avez une petite fermeture, c'est une vraie pour ceux qui se demanderaient, c'est une vraie fermeture qui s'ouvre et se ferme. Voilà, il est hyper bien, on peut le resserrer etc, enfin vous mettez la taille que vous voulez derrière. Et surtout le plus important vu que c'est un body, c'est trois boutons pour refermer, donc comme les bébés. Donc vraiment il est trop beau. Je suis trop contente, la qualité elle est au top. Je sais pas si vous verrez, c'est plein de petits traits comme ça. Enfin j'aime trop. Donc voilà, et juste pour quand est-ce que j'ai voilà, et juste pour quand est-ce que j'ai reçu ça. Au niveau de la livraison, j'ai commandé le vendredi. J'ai reçu une partie de ma commande le mercredi et l'autre partie le jeudi. Donc je sais pas pourquoi il y avait deux colis, mais en tout cas moi j'en ai eu deux. Donc voilà. Ensuite une combi shirt, donc elle est comme ceci, elle est jaune. Alors je pense que vous n'allez pas très bien voir le délire comme ça, mais en gros là vous mettez en fait on fait un nœud au niveau de la poitrine et là vous avez un trou ici. En gros là vous mettez un nœud et là vous avez une petite partie où on voit votre peau tout simplement. Donc voilà, elle est hyper jolie je trouve. Je vous montrerai bien sûr portée. Derrière vous avez un élastique pour bien tenir, donc ça je trouve ça assez bien. Non franchement j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Après la qualité c'est peut-être pas forcément la qualité que je préfère personnellement. Enfin c'est pas une matière de ouf, mais personne me convient et à l'intérieur ça ne gratte pas et tout. Donc c'est tout ce qui compte. Désolée, c'était flou. Bon désolée encore une fois, ce n'est pas repassé. Un peu dans le même délire, sauf que cette fois-ci c'est une robe et c'est en rouge. Donc là encore une fois vous faites un petit nœud ici pour tenir votre poitrine et là vous avez un petit trou et il y a des petits boutons en fait en bas comme ceci. Hop, elle est vraiment trop jolie. Moi je l'adore. Vous pouvez aussi tailler les petites anses derrière. D'ailleurs je sais pas si la combi short c'est pareil. Non la combi short vous pouvez pas, mais ici vous pouvez et perso j'ai jamais besoin de retailler ça. Donc regardez bien par rapport aux tailles. Et là la matière je vais vous montrer, en fait c'est un peu avec des petits points je dirais. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas l'impression que vous voyez. Mais encore une fois la matière de l'extérieur c'est pas la matière que je kiffe le plus. Mais en soi, portée, elle me gêne absolument pas et je trouve qu'au final le résultat est plutôt top. Donc voilà. Bon, je m'excuse parce que pour cette tenue là, c'est pas repassé. Du coup, là ça remonte, hein, c'est vrai, bien comme ça. Mais du coup là, c'est un peu compliqué. Ensuite
ensuite l'article avec la matière, mais oh my god, elle est géniale cette matière, je la kiffe. Donc c'est un body comme ça. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que je trouvais que ça ressemblait un peu au body Adidas. Bon, il n'y a pas les bandes sur le côté et tout, mais je suis pas là pour acheter des copies non plus. Mais c'est un truc qui ressemble, donc je trouve ça assez joli. Et la matière vraiment, mais oh là là, c'est un délire cette matière. C'est encore un body, il y a encore 3 boutons pour refermer en bas. Donc ça c'est génial, faites attention. Je pense pas que c'est sur tous les vêtements, donc regardez, vérifiez. Mais ouais, il est trop trop beau, j'adore, 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 j'adore. Ensuite, je me suis pris un pantalon de sport parce que j'étais à fond dans le sport. D'ailleurs, je crois que vous avez eu une vidéo par rapport à ça, peut-être elle sortira après. Si elle est sortie déjà, je vous la mets dans le petit i. Non, c'est à gauche, donc là. Et si elle n'est pas sortie, bah, je vous la mettrai plus tard. Mais j'avoue que là, il faudrait que je reprenne. Mais bon, bref. Donc voilà comment il est. C'est un pantalon, enfin, un legging de sport, comme ça. Il est trop beau, je trouve. La couleur, c'est ma couleur favorite, pour ceux qui me connaissent bien, c'est-à-dire le mint. Et ouais, franchement, j'ai rien à dire. Surtout que, en fait, là, vous avez comme une sorte de ceinture gainante. Elle sert plus à la taille que tout le reste. Et pour une fois, c'est pile ma taille. Il est peut-être un petit peu trop petit, mais je préfère qu'il soit un tout petit peu trop petit que beaucoup trop grand comme l'autre que j'avais acheté. Je le porte aussi, vous inquiétez pas. Et celui-ci aussi, je le porte, il n'y a aucun souci. Et ouais, franchement, il est hyper beau. Et je sais que c'est pas la marque Shein, c'est la marque South Beach. South Beach. Et voilà, moi j'ai pris un XS. Sachant que je mets du 34, 36, enfin 34 très rarement, j'ai surtout du 36, mais voilà. Maintenant, on va passer au maillot de bain, j'en ai commandé 3, ça aurait été que moi, j'en aurais commandé 20 000, mais bon. Alors, le premier ensemble, c'est celui-ci. Donc, on a la petite culotte. Donc, d'ailleurs, j'ai fait assez attention à éviter d'avoir une culotte trop échancrée parce que, bon, j'ai pas non plus trop envie qu'on voit mon cululu. Donc, voilà la petite culotte. Elle est trop jolie, je trouve. Alors, ma soeur était pas fan, mais au final, elle aime bien porter. Et le haut qui va avec, il est comme ça. Donc, je trouve qu'il est hyper beau. Enfin, moi, j'adore le fait qu'il y a ça. Derrière, ça se resserre, pareil, les hanches. Et vous avez un petit attache comme ça pour attacher. Hop, donc voilà. Sachez qu'il y avait des coques dedans, mais personnellement je les ai enlevées, j'aime pas. Des coques à l'intérieur comme ceci, dans les deux petits seins. Mais moi j'aime pas, donc je les enlève. Mais après vous pouvez les garder comme vous voulez. Et perso je trouve, hein, en tout cas surtout la culotte, ça fait une qualité comme j'aurais pu acheter à Decathlon. Donc j'ai rien à dire sur ça. Deuxième maillot de bain, c'est celui-ci, il est trop beau, j'en voulais absolument un rouge, donc c'est ce que j'ai acheté, je trouve que ça fait trop beau le rouge, oula. Donc il est comme ça, en gros vous avez un nœud ici, donc là c'est à vous de le faire, là il est un peu dégueu. Le défaut que je donnerais à ce maillot de bain, c'est tout simplement qu'on ne peut pas le resserrer par rapport à votre morphologie quoi. Donc c'est soit ça tombe pile poil sur votre taille, soit bah c'est foutu, donc c'est vraiment dommage. J'ai pris donc ce maillot de bain là, je l'ai pris en M et il est un peu trop grand au niveau de bah, là. Et la culotte est un peu grande au niveau bah, du cululu quoi. Donc ouais, c'est un peu relou. Mais l'autre maillot de bain, je l'ai pris en S et là il est un peu trop petit. Et celui que je viens de vous montrer, je l'ai pris en S, il me semble la taille est parfaite. Donc juste pour vous dire, ça dépend vraiment, c'est coup de chance ou coup de pas de chance. Mais ça m'empêche pas du tout de le porter, enfin soit il est peut-être un petit peu trop grand et l'autre un peu trop petit. Mais honnêtement ça pose aucun souci. Donc bref, voilà, donc juste pour vous montrer, en fait on peut pas resserrer à l'avant. C'est juste un petit nœud, j'essaie de vous montrer vite fait. C'est juste un nœud comme ça en gros. Genre vous avez deux trucs et puis vous fermez. Là aussi il y a des coques, je sais pas si vous les verrez mais il y a des coques. Et donc la culotte elle est comme ceci. Donc là vous allez peut-être vous dire oula, ça a l'air hyper échancré. Bah moi je trouve pas. Quand je l'ai reçu je me suis dit oula catastrophe, je vais jamais mettre ça. Mais en fait pas du tout, ça passe largement. Enfin moi je trouve, après chacun son avis. Donc voilà, et juste pour la qualité je trouve qu'elle est juste dingue. J'ai rien à dire. Je trouve ça même presque mieux que des maillots de bain que j'aurais acheté dans le commerce. Parce que vu le prix, je trouve la qualité au top. Hein. Et donc, dernier maillot de bain que j'aime trop. Je voulais un maillot de bain rouge comme je vous l'ai dit, mais aussi kaki. Donc c'est ce que j'ai acheté.
Donc voici le petit maillot de bain. Donc là, un peu le même défaut, on ne peut ni resserrer, ni grandir en fait dans le dos. Bon là, comme je vous ai dit, il était un peu trop petit, donc en soi, le défaut n'existe plus trop là. Mais du coup, dans le dos, c'est comme ça, ça fait un peu une brassière de sport, je dirais. Mais en maillot de bain. Et du coup, sur le devant, vous avez ceci. Donc là, il faut faire un joli petit nœud. Bon, moi, il n'est pas hyper bien fait. Par contre, ça, oui, c'est assez pratique. Alors oui, du coup, c'est un défaut, pas vraiment. Parce que, en fait, l'avant, vous pouvez enlever et du coup, plus resserrer votre poitrine, au moins la resserrer. Donc si par exemple, vous n'avez pas pris la bonne taille, je pense que ça passerait quand même, puisque vous pouvez réadapter par rapport à votre poitrine. Donc voilà, il y a un avantage sur ça. Bon, après, si vous desserrez trop, bah, je pense que vous voyez vos seins, enfin j'en sais rien, mais voilà. Donc il est trop trop beau. Et la culotte, là, je me suis vraiment dit, ça va vraiment pas le faire, mais au final, je trouve que ça va. Voilà, elle est comme ça. Elle est trop belle. Genre j'aime trop les maillots de bain, ils sont trop trop beaux. Et elle aussi il y a une coque, donc cette fois-ci les coques elles sont rondes. Voilà, et moi aussi je les enlève parce que je n'aime pas, je trouve ça pas du tout à l'aise. Donc là il me reste d'autres vêtements, je vous les montrerai dès que je les aurai parce que là je les ai pas. Mais j'ai aussi commandé des bijoux. Donc les premiers bijoux que j'ai commandé c'est ces petites boucles d'oreilles là. Je cache ma peau parce que je trouve qu'elle est hyper moche. Bref, c'est juste des petites créoles, enfin des grosses créoles. Et je sais pas si vous verrez, mais en fait, vous avez un clips pour attacher. Donc, je trouve ça hyper pratique. Enfin, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Ah, je me le suis enlevée. Voilà, rien à dire à ce niveau-là. Elles sont hyper belles. Top. Et j'ai aussi commandé deux autres bijoux. Donc, celui-ci, donc c'est un collier. Alors, premier bijou, enfin deuxième bijou du coup, c'est un petit rat de cou comme ceci, il est hyper beau. En fait, c'est plein de petites flèches avec une bille blanche au milieu. Sachez que pour ce bijou-là, personnellement, il est arrivé cassé. Donc, faites attention, sachez que... Enfin, ça fait beaucoup de sachets. Donc, sachez que pour ce bijou-ci, pour ma part, il est arrivé cassé. Mais heureusement, j'ai réussi à le réparer parce qu'en fait, c'est juste là, la bille en fait n'était pas reliée à au collier en fait. Donc j'ai juste dû ouvrir l'anneau et refermer. Mais du coup voilà, je tiens à le préciser. Voilà, après il est très joli. Après je trouve que c'est pas vraiment de la couleur or qu'on peut trouver dans le commerce normal. Mais ça va, il est assez joli. C'est surtout le deuxième collier où je suis un peu déçue de la couleur, mais il est quand même très joli. Et donc le deuxième, il est comme ceci. Alors déjà je tiens à dire qu'il y a un système très avantageux à ce collier. Donc je vous explique. En fait c'est un collier double où vous avez une lune et un... je sais pas comment on appelle ça. Et en gros par rapport à comment vous mettez votre truc anneau, je sais pas si vous verrez, en fait ça bouge le collier. En fait il s'adapte par rapport à la taille que vous allez mettre. Donc ça je trouve ça juste génialissime. Voilà. Et donc il est comme ça, je vais essayer de vous montrer. Donc il est comme ça, il est trop joli je trouve. Donc là vous avez votre petite lune et là le petit espèce de diamant ou je sais pas trop quoi. Mais ouais il est super joli, mais la couleur je trouve c'est pas vraiment de l'or. Je dirais que c'est plus un espèce de rose. Oh là là le focus. Alors dernier petit article que j'aime beaucoup trop c'est ceci. Donc c'est un soutien-gorge. Il est beaucoup trop beau en fait, c'est en dentelle, c'est une taille unique et personnellement il me va. Après j'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus serré, j'aime bien quand c'est quand même pas bien compressé, enfin pas non plus hyper trop compressé mais un petit peu. Donc il y a les coques à l'intérieur et voilà, et le derrière c'est juste, je vais essayer de vous montrer, mais en gros derrière c'est juste de la dentelle. Comme ça, il est assez joli. De toute façon, vous allez voir le try-on. Mais ouais, je n'ai rien à dire pour ce petit soutien-gorge. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. À me dire aussi si du coup ce nouveau concept en ayant le try-on vraiment tout seul en barre d'infos vous plaît. Et voilà, me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Je fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec une nouvelle vidéo.